au service des incendies, on combat évidemment les incendies, mais on s'occupe aussi de matières dangereuses et d'espaces clos, plus évidemment la prévention des incendies. On a 45 pompiers qui travaillent pour notre service. La problématique, c'est que si l'employé pompier travaille dans un secteur d'une bâtisse et qu'il y avait un effondrement ou un embrasement généralisé, une explosion ou d'autres difficultés, ben il faut être capable d'aller lui porter secours le plus rapidement possible. Et pour faire ça, il faut savoir où est-ce qu'il est. Donc, avec l'ancienne méthode, c'est une méthode manuelle. C'est qu'on travaillait avec des aimants, c'est une table qui était construite avec des aimants et des crayons qu'on efface et des feuilles. Imaginez-vous commencer à écrire, parce qu'il fallait tout écrire sur une table de PC. Donc, si je viens ici, je peux écrire équipe 1, donc nommer peut-être un officier qui était M. Turnblom. J'avais pas le temps de tout écrire les membres de l'équipe parce qu'on est sur une intervention, il faut que ça soit rapide. Fait que souvent, cette partie-là était oubliée. On n'était pas capable d'avoir une vue d'ensemble rapide sur l'intervention. On constatait ça, puis on trouvait qu'on n'avait pas la bonne façon de régler le problème. C'est à ce moment-là que le lieutenant Miron, dans une de nos formations, nous a proposé de s'en occuper puis de peut-être essayer de développer un petit logiciel qui pourrait nous aider à mieux faire. J'ai développé ce logiciel-là en incluant des codes-barres pour faciliter le dénombrement et l'identification des gens aussi. Avec la carte de dénombrement, on sait effectivement si c'est un pompier, un officier ou un capitaine. Donc ici, si je vais appuyer sur l'équipe, je peux insérer tout mon personnel qui était disponible. Maintenant, l'officier peut construire le bâtiment en ajoutant des étages ou en supprimant des étages. Donc je peux mettre un sous-sol, donc inférieur, et je peux ajouter aussi un étage supérieur. Tout ce qui me reste à faire, c'est de balancer mes équipes au secteur que j'ai de besoin. Donc mon équipe 2, je vais l'envoyer sur mon toit. Et j'envoie mon équipe 1 au rez-de-chaussée. L'officier peut faire le tour du bâtiment et ajouter différents secteurs. Donc, une cour arrière, on peut ajouter du gazon. Sur le côté, même chose, j'aurai du gazon ici aussi. Et à l'avant, j'ai la rue principale qui passe. Donc, je peux venir créer tous mes secteurs de cette façon. Au niveau du bâtiment, l'officier ou les pompiers qui sont à l'intérieur peuvent identifier et dire à l'officier commandant où sont les risques inhérents. Donc, si on demande l'entrée électrique, par exemple, le pompier pourrait me dire que l'entrée électrique est à l'est. En appuyant sur l'est, j'ai un point d'exclamation qui apparaît sur le bâtiment. Donc, tout au long de mon intervention, si je me promène de secteur en secteur, je sais toujours que j'ai un risque ici. Le principal avantage, c'est que graphiquement, c'est beaucoup plus facile et efficace de suivre nos équipes de travail selon le secteur d'intervention. Et puis de plus, tous les secteurs sont chronométrés automatiquement puisqu'il y a un chronomètre intégré. Donc, on peut savoir ça fait combien de temps que nos intervenants travaillent ou sont en période de repos. Le lieutenant Miron, son projet, bien, tout le monde l'appuie avec enthousiasme. Autant le syndicat, nos secrétaires, la direction, nos capitaines qui ont participé à toute l'implantation, puis je dirais la validation du concept là, depuis déjà quelques mois, depuis le mois de février, sont très encouragés, puis on aimerait bien gagner le concours, c'est sûr. Là.